Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On va continuer aujourd'hui avec les balances. Les balances pour le mois prochain. Votre signe astrologique ascendant, si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller sur Google, calculer. C'est complètement gratuit, de même que ma chaîne. Vous pouvez vous abonner, partager, liker, laisser un commentaire si ça vous parle. Bien évidemment, bienvenue à tous et merci de votre présence. On va regarder pour vous les balances que nous réserve le mois prochain pour vous. Le message que vous avez pour le mois prochain, le message, le pouvoir de l'attraction. Servez-vous-en, le pouvoir de l'attraction pour appeler à vous ce dont vous désirez. Dirigez votre énergie vers ce dont que vous avez envie d'avoir. Hein. Focalisez votre énergie uniquement sur cet objectif-là et les choses pourront aller très bien pour vous. Et ici pour l'animal, l'esprit de l'animal totem, la médecine animale, ce que vous pouvez faire si ça vous intéresse ou si vous y connaissez, hein, vous pouvez évoquer l'esprit de l'écureuil, hein, qui est l'écureuil qui est prévoyance, socialisation, équilibre, distraction. Bon, trouver. L'esprit de l'équilibre, ça vous demande de trouver un juste milieu entre la prudence et la distraction. Donc, et aussi, ça vous dit, vous récoltez forcément ce que vous sémez. Hein. Donc, faites attention à vos actes, soyez prudents, mais ne soyez pas trop non plus. Hein. Donc, essayez un peu de bouger, essayez de faire des choses qui vous plaisent, mettez les choses, soyez prévoyants, mais ne vous fermez pas dans quelque chose parce que vous avez peur de vous aventurer, au fait. C'est ce qu'on vous dit ici. On va commencer avec vous, les célibataires. Les célibataires pour les balances. Pour le mois prochain, quels sont les messages pour vous? Les célibataires. Les gens, on a quelque chose ici qui n'avance pas, hein. Vous n'arrivez pas à sortir de ce célibat où toutes les rencontres que vous faites sont des fausses rencontres. Hein. Ici, on a la conseillère et la conseillère. Qu'est-ce que j'ai la bref. On a la consultante ou le consultant. Ici, vous êtes en recherche, soit vous êtes quelqu'un qui vivait en ville, quelqu'un de la ville, ou vous avez juste envie de trouver une certaine stabilité. Ou vous êtes en train de vouloir avoir quelqu'un dans votre vie qui vit en pleine ville pour pouvoir découvrir les joies de la ville. C'est possible aussi. Que vous avez envie de sortir un peu de votre petit confort, de votre petit village là, ou vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui vous fasse découvrir de nouvelles choses que vous ne connaissez pas. Alors, on a essayé de partir au départ. Mais ça nous préoccupe beaucoup. Hein. Ici, il y a des personnes qui ont envie de passer à autre chose, hein, qui ont envie de bouger, mais. Oui. C'est tombé. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y aura certainement quelqu'un va vous tendre la main. Quelqu'un va vous venir en aide, un ami. Mais vous êtes ici, vous avez envie de sauter le pas concernant quelque chose. Ça peut être un déplacement ou comme ça peut être vous lancer dans la vie à deux, hein, à nouveau. Et ça vous préoccupe beaucoup. Ça vous stresse un peu parce que. Ici, on ressent des personnes qui ont peur et qui se disent, et si je refais les mêmes bêtises, ou si ce n'est pas la bonne personne, qu'est-ce qui se passe, comment je fais? Déjà ici, pour vous, les célibataires, actuellement, vous êtes... ça va pas, hein? Les célibataires. Ah, les célibataires. Bon, déjà, pour vous, actuellement, ici, dans votre état d'esprit, ce par quoi vous êtes en train de passer actuellement, pour vous, les célibataires... pas maintenant la rencontre, hein. Il faudra patienter parce que vous-même, c'est ce que vous dites, hein. Vous dites ça parce que on a vu avec la coupe ici qui domine l'ensemble du jeu, qui est vouloir se lancer mais en même temps préoccupé, stressé parce que l'on ne sait pas ce qui nous attend ici. Donc on a des personnes comme ça ici, hein. Que vous êtes un peu stressé, vous ne savez pas ce qui vous attend. Pourquoi ça bouge? Ça fait ça. Ah, c'est mieux. Voilà, donc il y a des personnes comme ça qui sont stressées, qui ne savent pas comment faire pour cette nouvelle rencontre, qui ont envie de passer à autre chose, mais qui n'ont plus envie de revivre les mêmes situations. Mais ici, justement, ce que l'on vous dit ou ce qui vous empêche d'évoluer, de sortir de ce célibat-là, que vous êtes là certainement depuis quelque temps, depuis un bon bout de temps, c'est cette
C'est cette peur de vous lancer, de franchir le pas. Parce qu'il faudra changer, comme je disais tout à l'heure, il faudra complètement passer à autre chose. Hein, même si vous ne savez pas comment vous prendre, mais on vous dit justement, allez complètement vers le contraire. Parce que jusqu'ici, d'après ce que je peux ressentir, les personnes que vous avez connues jusqu'ici, vous avez certainement focalisé votre attention sur une catégorie de personnes. Et que jusqu'ici, ça n'a pas été le grand amour que vous avez voulu. Hein. Donc, vous dites, faites de grands changements ici, ça ne pourrait être que bénéfique pour vous. Donc, sautez le pas, allez vers autre chose. Ce n'est pas parce que ce n'est pas votre critère, ce n'est pas parce que cette personne n'entre pas dans les critères que vous vous êtes fixés que ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne personne. Mais en même temps, à quoi ça vous. Ça ne change absolument rien. Ici, autant vous lancer et faire des choses bonnes pour vous, hein, qui vous plaisent. Et même si, comme on dit ici, parce qu'il y a cette notion de passe à autre chose, au fait. Même si c'est pas les personnes avec lesquelles tu as l'habitude d'être, ou c'est pas le physique ou la façon d'être, du moment que cette personne te respecte et t'apporte ce dont tu as besoin, pourquoi ne pas franchir le pas? Parce que ça ne pourrait être que bénéfique pour toi, hein, dans la vie amoureuse. Hein. Non, après tout ça, là, il faudra rompre avec tes anciennes habitudes aussi. C'est ce qu'on te dit, rompre avec tes anciennes habitudes. Laisse passer là, parce que l'autre partie là, c'est déjà passé. Ne reste pas focus sur ne reste pas focus sur cette relation passée là. Il faut passer, il est temps de passer à autre chose, parce que c'est bon. Tu as assez souffert. Donc maintenant, passe à autre chose. Maintenant, dépose les armes. Maintenant, dépose le poids. Tu t'es suffisamment sacrifié ici. C'est bon. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de briser pour reconstruire. Parce que ici, ce dont il faut se concentrer, c'est ça. Hein? J'espère que vous voyez les cartes. Ce dont il faut se concentrer, c'est ça. Il faut se concentrer sur cette rupture-là qui a eu lieu. C'est tellement une rupture qui a été brutale pour vous, qui vous a laissé beaucoup de traces, ou que ça a été difficile. Vous ne savez pas comment faire pour sortir de là. Mais on vous dit justement, il est temps ici de sortir de ça. Donc, se concentrer sur ça, ça ne veut pas dire rester focus sur ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire rester focalisé sur ça. Ça veut justement vous dire, c'est bon là, vous avez assez souffert, vous êtes assez sacrifié. Dans les relations de couple, ou ce qui s'est passé, vous avez assez ruminé comme ça, c'est bon, maintenant on fait table rase du passé et on passe à autre chose. Et maintenant on choisit d'autres personnes, d'autres catégories de personnes. Maintenant, si on nous manque de respect, le premier contact, premier rendez-vous, on coupe court parce qu'on n'a pas envie d'avoir à nouveau revivre les mêmes situations, quelqu'un et puis vous laisser une seconde chance. Parce que la personne, ce que vous ignorez, c'est que les 10 premières minutes d'une conversation, peu importe que ce soit rendez-vous, ça vous donne la totalité de la personnalité de la personne qui est face à vous. Donc il faut tenir compte, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. C'est pas parce que il vous a lancé, il y a eu un punchline un peu maladroit et que vous dites bon ok ben je pardonne, il n'a pas fait exprès, et que le même soit il dit ça, vous dites c'est pas parce que là vous n'êtes même pas ensemble, mais c'est pas quand vous allez être en couple que la personne va changer, hein. Donc vous coupez court tout de suite pour ne plus revivre les mêmes choses. Un peu c'est ce qu'on est en train de vous dire. Si ne vous laissez plus briser par les autres, reconstruisez-vous ici et passez à autre chose. Même si là l'attitude à adopter, ou le conseil des cartes, hein, on vous dit justement il est temps ici de sortir de cette situation, de ces doutes-là. Parce que pour vous, les célibataires, vous êtes en souffrance ici de la solitude, vous cherchez l'âme sœur. Donc, l'attitude à adopter, c'est justement passer à autre chose ici. Laissez-vous désirer, faites des choses déjà pour vous, réapprenez à vous aimer et réapprenez à mettre des choses en place. Et n'acceptez plus que l'on vous brise ici, parce qu'on a des personnes qui ont souffert. Il y a des personnes qu'on a littéralement brisées, mais on vous dit, n'acceptez plus ça. N'acceptez plus ce même style d'homme-là, ou ce même style de femme-là qui va venir et pour blaguer, va te lancer un mot un peu méchant là, parce que c'est pour blaguer. Mais non, il y a blague et blague, quoi. Surtout si c'est pour rire de l'autre, à quoi bon? Si on s'est pour rire ensemble et rire de soi et mutuellement, juste pour s'amuser un peu, oui, mais que si ça devient répétitif, ou si tout le temps, quand vous ne le connaissez pas, il vous est déjà à peine arrivé, vous dites, ah, ben, tiens. Je pensais que tu étais si grande. Ou tiens, ah ouais, t'es pas si sexy que ça. Vous voyez des trucs comme ça, vous venez à peine de connaître la personne et qui vous lance ça. Vous pensez que c'est quand vous allez être en couple qu'elle va faire les efforts pour vous séduire. Ben non, il ou elle, hein, peu importe.
Et si le résultat, c'est justement si vous tenez compte de tout ça, des conseils, de l'attitude adoptée, de ce qu'il faut faire, vous allez finir par trouver l'amour, la personne vraie pour vous, la personne bonne pour vous qui vous a justement vous aimé à votre juste valeur. Donc c'est possible qu'il y ait un amour ici véritable. C'est possible même que ce soit un ami qui devient un amoureux. Hein. Donc ce soit, ça va être quelque chose de bon pour vous ici, hein. Super relation conjugale et même amicale. C'est possible que justement, en changeant de cercle d'amis et même en changeant de façon de vivre, vous fassiez de nouvelles rencontres avec de nouvelles personnes, nouveau cercle d'amis, nouveau cercle tout court, hein, des personnes qui vous apportent quelque chose de bien et qui vous aident tout simplement à vous épanouir, hein, de sortir de cette situation, de ne plus revivre les mêmes histoires avec ce que. Parce que, hein, il y a les cartes qui se sont retournées là. Il y a quelque chose de bon derrière. Vous allez commencer des choses bonnes ici. Mais il va falloir sortir de cette situation. Ça peut être que bon pour vous. On va regarder pour le professionnel, travail. Professionnel, travail. Pro, travail, professionnel. C'est un peu comme, c'est ça exactement l'esprit de l'écureuil, quoi. Faites, soyez prudent, mais ne vous enfermez pas non plus dans quelque chose. Et le pouvoir de l'attraction, c'est ça. Appelle ton amoureux. Fais appel ton amoureux. Focalise-toi sur quelqu'un qui est bon pour toi. Dis, tout est énergie et tout est énergie, au fait. Il suffit juste de te focaliser sur quelqu'un, qu'est-ce que tu veux? Tu peux l'écrire, hein? Ça devient, tu peux l'écrire tout simplement. Parce que vous, ici, on vous dit justement, on a le karma pour le travail, hein? Le travail, la justice, soit la justice divine, ou vous allez tout simplement trouver un certain équilibre. Ça dépend qu'est-ce que vous avez fait dans le passé. Il y a les changements positifs dont vous pouvez sortir de cette situation-là, même si vous vous sentez coincé là. Il y aura, vous allez trouver votre place où vous allez justement, la justice va être, vous être rendue, que ce soit par les hommes ou que ce soit par la vie ou l'univers. Mais déjà au centre de votre jeu, concernant le professionnel, nous avons la réussite, hein, la récompense avec cette coupe-là. Nous avons la récompense, une satisfaction et même, un contrat, si vous étiez en CDD ou si vous étiez en train de une demande d'embauche ou tout simplement si vous avez mis les choses en place ou si vous êtes déjà dans ce travail, prochainement vous allez avoir soit une prime, soit une augmentation de salaire, soit vous allez être reconnu pour ce que vous apportez dans la société. Ben ici justement on a le roi de bâton, hein, quelqu'un de ici on a quelqu'un qui est juste à sa propre qui est là juste à sa juste valeur. Donc soit c'est ici, soit vous êtes le père, un père de famille ici qui avait votre place, mais ici on a affaire à des bâtons. On a affaire ici à des personnes qui foncent, à des fonceurs, des gens qui sont assis sur ce trône. Soit vous êtes un patron ici de votre entreprise, soit vous êtes en train de convoiter un poste de patron. Mais ici on a des personnes qui sont sûres de leur pouvoir d'attraction. Hein. Ici on a des personnes qui sont sûres de leur capacité à s'adapter et de leur capacité à se battre pour obtenir ce qu'elles veulent. Hein. Mais ici, l'avantage, parce qu'on a deux rois, le roi et la reine, donc ici, peu importe ce qui s'oppose à vous, c'est plutôt bénéfique parce que ici, on a aussi l'affirmation et l'indépendance. Donc ici, moi, je dirais qu'on a ici affaire soit à un patron, ou alors si vous n'êtes pas patron de votre entreprise, vous dirigez des personnes. On a affaire ici à des leaders, des personnes qui savent exactement où elles vont et qui savent mener leur équipe avec vraiment une main de fer, quoi. Donc, ils sont déterminés, qui savent ce qu'ils font, qui sont sûrs d'eux, qui savent être doux et qui savent brusquer quand il le faut. Donc, vous savez comment trouver le parfait équilibre dans votre lieu de service ou dans votre travail ou dans ce que vous mettez en place ici. Mais moi, je ressens plus ici, on a plus affaire ici à des leaders, on a affaire ici à des boss, quoi. Et ici, ce sur quoi il faut se concentrer, ici, c'était cet engagement-là. Si vous voulez vous lier, si vous voulez vous lier, vous engager avec d'autres partenaires, hein, c'est possible que vous ayez. On vous dit justement pour que ça prospère, si vous avez l'intention de le faire, ou même si vous n'avez pas l'intention, mais on vous dit que ce serait quelque chose de bon de vous lier
avec d'autres personnes pour pouvoir prospérer ou alors de tout simplement investir dans d'autres choses, mais de quelque chose qui vous plaise, hein, parce qu'on a ici la réussite de toutes les façons. Et on a ici, vous savez exactement ce que vous voulez, parce qu'il y a l'égalité et le mariage ici. Donc, vous allez certainement fusionner avec une autre entreprise ou avec quelqu'un d'autre pour trouver le juste, pour que vous soyez tous les deux sous le même. Le même diapason ici ou les mêmes égalités dans la structure. Moi, je dirais c'est plus une association entre deux sociétés ou entre partenariat entre vous et quelqu'un d'autre, un associé. Donc oui, ce sur quoi il faut se concentrer, on vous dit, c'est cette association-là, parce que oui, ça va aller, ça va marcher. Et on vous dit ici l'attitude à adopter ou le conseil des cartes. Hein. Ici, vous n'avez que les cartes majeures, en fait. Donc ici, ce que l'attitude des cartes, on vous dit quand même, ne soyez pas avare, mais soyez reconnaissant de ce que la vie vous apporte, de ce que les autres vous apportent. Parce que même si vous vous dites, je suis le patron, j'ai réussi tout seul, il y a tout cela, toutes les petites mains qui sont autour de vous, qui vous aident à prospérer, qui vous aident à avoir obtenir cette abondance-là et cette prospérité. Donc n'oubliez pas d'être reconnaissant et même de souvent donner un peu des petits trucs aux autres hein, à côté. Donc parce que l'on dit ici, vous voyez, comme là, on dit. Comme l'écureuil, hein, on dit tu sèmes ce que tu récoltes ce que tu sèmes. Et aussi avec la coupe qui était le karma, qui est le jugement ou ce que tu récoltes ce que tu as donné aux autres, ou le karma, le changement positif qui arrive et l'équilibre avec la justice qu'on a vu à la coupe. Là, donc c'est un peu ce qu'on vous dit. Trouvez le parfait équilibre ici parce que vous êtes là, vous êtes vraiment un chef, hein, vous avez toutes les possibilités, vous êtes entouré par des personnes qui veillent sur vous et qui défendent vos intérêts. Donc, même si vous êtes le patron, il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Donc, n'oubliez pas de dire merci à ces personnes, même par des petits gestes ou juste le fait de leur dire merci d'être là, merci de faire partie de l'équipe, au fait. Et si vous n'êtes pas encore dans cette équipe-là, même si vous n'y êtes pas encore, vous cherchez, donc c'est possible que vous allez avoir cette promotion de leader-là, parce qu'ils sont affectés à des leaders. Hein. Même si vous êtes recherche d'emploi, vous allez avoir un poste à responsabilité. Donc les choses ne pourront aller que mieux si vous voulez vous associer. Parce qu'ici, on a la réussite. Hein. On a la réussite ici, le métier, embauche. Donc réussite, vraiment satisfaction personnelle. Parce que vous voyez cette petite fille qui a la coupe en main là. Donc le travail a été récompensé. Le travail mis en place a été récompensé. On vous reconnaît. Vous êtes au sommet de votre empire ici. Ou alors vous faites maintenant partie des grands. Votre nom est cité un peu partout. Il y a cette notion aussi qu'on vous cite un peu comme référence ici. Qu'on dit, regardez, ils font partie de top 10, ils font partie du top 5. C'est la référence par rapport à tel produit ou par rapport sur le marché à telle chose. Vraiment, je ne sais pas si vous faites dans le marketing ou investissement, analyse, bref, quelque chose comme ça où vous êtes dans la bourse. On va regarder pour les finances. Profession, on va regarder les finances. Les finances, profession. Les finances avec ça. Les finances. Les finances, on a la satisfaction, la réussite, le karma. Donc, mais faites quand même attention à vos investissements, hein. Où vous mettez, faites quand même attention. Il y a comme tout de même une mise en garde ici concernant les finances. Faites attention où vous allez investir votre argent prochainement. Les finances, il y a des personnes qui ont des petits soucis financiers ici. Hein. Il y a des personnes qui ont des futurs financiers ici et qui des soucis financiers et qu'il faudra vous battre hein, pour obtenir ce dont vous avez besoin. Vous allez vous battre ici, vous allez prouver aux autres que vous êtes capable d'avoir cette place là ou que vous êtes capable d'obtenir cette chose. Mais en tout cas, il y aura un combat acharné ici, soit avec les organismes bancaires hein, ou avec un prêt. Pourquoi un prêt? Je ne sais pas. Vous allez vous retrouver là, vous les balances. Les balances. Bon. Les balances ici, déjà, compétences, attention. Hein. On a le 8 de Pentacle ici. On vous demande justement ici, pour vous, actuellement, vous y êtes, hein, ou très prochainement, financièrement, faites bien vos comptes. Hein.
faites bien vos comptes et faites attention aux détails. Donc, regardez bien. Faites attention aux détails dans vos finances ici, que ce soit avec la banque ou ce soit les impôts ou si vous voulez investir quelque part ou si vous voulez même signer un contrat. Faites attention aux petits caractères en dessous, hein, en ce qui s'agit de l'argent, parce que avec les organismes bancaires, quand c'est eux qui vous dupent, il n'y a pas de retour en arrière possible, hein. Donc, on vous demande ici justement de faire bien attention aux détails. Donc, ici, c'est que le problème qui va un peu gêner là ou qui s'oppose à ces finances ou à ces choses que vous voulez mettre en place. Il y a ici des personnes qui ne s'ouvrent pas au fait. Même s'il y a des gens à côté qui sont prêts à vous apporter leur aide ici et vous soutenir dans ce que vous faites, mais vous n'écoutez pas. On a des personnes têtues ici concernant des finances. On vous dit, pensez à demander de l'aide, ne restez pas cloîtrés là, ne vous repliez pas sur vous-même, alors qu'il y a des personnes à côté de vous qui sont prêtes à vous aider. Hein. Demandez, tendez la main, dites-leur, je me sens coincée dans cette situation financière. Je ne comprends pas telle chose. Est-ce que tu peux m'aider à recalculer et me dire où que ça n'a pas marché, où ça a loupé? Donc, c'est ça votre problème ici. Demandez de l'aide ici. Ne restez pas sur vous et vous focalisez sur vous. Les gens ne lisent pas dans vos pensées. Les gens ne savent pas ce que vous vivez tant que vous ne leur dites pas. Tant que vous ne demandez pas de l'aide, les gens ne vous l'accorderont pas. Parce qu'il y a des personnes ici qui sont juste à côté de vous. Ils ont juste besoin que vous leur dites j'ai besoin d'aide et qu'ils agissent. C'est de même pour les guides. Hein. Vous dites, je n'écoute pas, on ne m'écoute pas, on ne m'entend pas. Et vous pleurez ici. Il y a des personnes ici qui pleurent. Pourquoi je demande de l'aide? Ça ne vient pas. Mais sais-tu, c'est ce que vous dites. Vous dites pourquoi je demande de l'aide? Ça ne vient pas. Vous ne l'avez pas demandé. Restez dans un coin calme et dites, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me souteniez, que vous me soutenez ou j'ai besoin de votre soutien. Et vous allez voir les choses se mettre en place. Mais soyez attentifs, tout simplement. Et si ce sur quoi il va falloir vous concentrer, hein, il va falloir avoir justement de l'audace, hein, il va falloir oser affronter, il va falloir aller au combat pour défendre vos intérêts ici. Je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place concernant les finances ou si on vous a dupé ici, mais on vous demande justement oser réclamer ce qui vous revient de droit. Allez vous battre contre ces personnes-là. Bon, pas taper les gens, mais allez réclamer ce qui vous revient. Allez vers eux, parlez, passez à autre chose, même si ce n'est pas de vous, même si c'est pas dans vos habitudes, personne n'ira vous se battre à votre place. Hein. Ce sont vos finances. Montez sur votre cheval, allez mettez comme là, mettez une armure et allez vous présenter devant ces gens et dites, demandez-leur qu'ils vous rendent compte et réclamez ce qui vous revient de droit. C'est ce qu'on vous dit ici, ce sur quoi il faut se concentrer. Et ici, l'aptitude à adopter ou ce qui va arriver très prochainement si vous vous comportez ainsi, hein, ici, il y aura la satisfaction. Donc ici, justement, soyez créatif ici. Il y a une satisfaction qui arrive, une satisfaction venant de vos finances, mais pour ça, vous devez passer par ici. Il faut passer par là, défendre vos intérêts et ensuite ici, essayer de créer de nouvelles choses, essayer de vous réorganiser, essayer de vous réinventer ici. Concernant vos finances, essayez justement de ne plus faire les mêmes bêtises. C'est un peu ce qu'on vous dit. Soyez créatif. Faites des choses bien, mais ne les faites pas parce que ces personnes, ils sont heureux, mais ils ne sont pas heureux tout seuls. Même si vous êtes heureux tout seul, vous vivez dans une villa, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Même si vous vivez, peu importe où vous vivez. Mais si vous êtes tout seul et que vous avez tout pour vous seul, ça, tout pour vous, ça ne vous n'aurez pas le bonheur dont vous espérez. Donc, pensez à demander de l'aide à tous ceux qui vous entourent parce que vous n'êtes pas seul. Votre joie, vous la partagez bien avec des personnes qui vous sont chères, soit vos familles, votre famille, soit vos amis. Donc, demandez-leur des idées, demandez-leur, c'est ça aussi un peu le pouvoir de l'attraction. Hein. Faites appel à ceux qui réfléchissent de la même façon que vous, les personnes que vous savez tout simplement qui sont sur la même longueur d'onde que vous et qui peuvent vous apporter ce dont vous avez besoin. Vous ne pouvez pas faire tout tout seul. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici. Et c'est de même que l'écureuil. L'écureuil aussi, il est prévoyant. C'est quelqu'un qui met de côté, qui est prudent, mais en même temps aussi qui sait ce qu'il fait. Donc, vous dites, soyez prudent, certes, mais pensez un peu à sortir de votre confort là hein, et de mettre les choses en place parce que le résultat, ça, c'est la satisfaction, c'est la réussite. Parce que la créativité, on a la créativité ici, et on a cette femme qui au final a tellement d'idées, tellement de pensées, tellement de projets en tête, que tout,
qui est juste prêt de laver son bâton de sa baguette magique, juste pour faire ting et tout se met en place parce que la personne a étudié tout, la personne a pris le temps d'étudier les dossiers, s'est battue pour ce qui lui revient de droit et a sollicité des personnes qui sont capables de lui apporter cette aide-là et de l'aider à grandir et d'aller vers quelque chose de bon, d'épanouissant, quelque chose qui lui revient de droit. La réussite, une nouvelle vie, la maturité. Donc, il y a des personnes qui vont grandir ici, qui vont trouver l'équilibre, hein, et la maturité dans la façon de gérer leurs finances. Ça, c'était pour les finances. On va regarder ici pour les couples. Pour les couples, pour les couples, qu'est-ce que ça veut bien nous dire, les couples, pour les couples? On a trouvé ça. Merci. C'est pour toi. Merci. Pour les couples. Les couples, on a la consultante ou le consultant. Et on a des personnes, soit vous avez récemment découvert quelque chose, ou vous avez découvert que votre autre passe l'autre temps avec vous et l'autre temps avec une autre personne. Hein. Et que vous êtes sorti de cette illusion-là, que vous n'étiez pas juste à la place que vous pensiez être, que vous n'étiez pas juste la seule, quelque chose comme ça. Non, il y a une notion de découverte là, une remise en question aussi, d'illusion. Comme si on se réveillait d'un long rêve que l'on avait idéalisé. Bon, ici actuellement, pour vous, les couples, tout va bien. Actuellement, votre état d'esprit, ce par quoi vous passez, les choses vont très bien dans votre couple actuellement. Donc, vous êtes là, vous êtes tout simplement heureux. Vous trouvez que pour vous, vous trouvez que les choses vont très bien dans votre couple. Vous trouvez que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez abouti dans tous vos projets avec votre amoureux, la liaison est stable, c'est quelque chose pour vous qui est durable, la sérénité, l'amour est fort, il y a la construction de votre bonheur est assuré dans votre couple, au fait, il y a l'ensemble de tout ça. Là, actuellement, vous êtes dans cet état d'esprit-là, faites confiance à votre couple. Et vous savez que les choses ne pourront aller que bien pour vous et mieux. Mais ici, on a ce qui va s'opposer ou ce qui va un peu apporter la zone d'ombre ou pas du tout. Hein. Bon, ici, il va falloir faire certaines démarches, hein, que ce soit les démarches administratives ou que ce soit les démarches des démarches administratives, pour mettre certains papiers en marche, parce que ici on n'a pas de, on va couvrir, hein, on n'a pas, non, on n'a pas de divorce ici, hein. On a plutôt un engagement ou les papiers administratifs pour aller vers quelque chose de bon et de plus grand ici avec votre compagnon. Mais il va falloir, ce sur quoi il va falloir se concentrer ici, c'est justement ça, hein, donc de penser, d'accepter, passer complètement autre chose, hein, de vivre certaines choses, parce qu'ici il y a soit il y a un changement de statut, c'est possible que vous viviez en couple ici, mais que vous n'êtes pas marié, hein, ou que vous vivez en couple et que vous n'êtes, il n'y a pas quelque chose d'officiel ici entre vous et que vous avez choisi même d'officialiser les choses ici, de signer un contrat de mariage ou de mettre en place des choses à votre nom, à tous les deux. Mais on vous dit, ce sur quoi il va falloir que vous concentrez, c'est ce nouveau changement. Sachez que quand vous allez le faire, il n'y aura pas de retour en arrière aussitôt. Hein. Non, même si vous faites des choses, c'est possible que ce soit les démarches pour faire un voyage ou une lune de miel ou peu importe. Mais on vous demande ici de regarder un peu bien soit l'assurance du voyage, soit quelque chose dans ce genre-là pour bien regarder l'assurance, les clauses de l'assurance, qu'est-ce qui vous revient, si le voyage est annulé ou si vous ne pouvez pas partir.
ou ce que vous voulez mettre en place, sachez bien qu'il y en a pour un bout de temps pour que vous soyez, pour que vous détachiez de cette situation ou que vous soyez, ou que vous puissiez en sortir. Par exemple, quand si vous êtes vous marié, vous savez bien que vous ne pourrez pas divorcer dans un mois, ou il faut un temps pour chaque pays, il faut un temps pour pouvoir divorcer. Donc, en fait, c'est un peu ça. Bon, je ne dis pas qu'il y a divorce, mais on vous dit justement, il y a cette mise en garde de, si vous voulez faire un truc, sachez que si vous vous lancez dans cette situation, il n'y a pas de retour en arrière possible tout de suite. C'est ça qu'on vous dit. Donc, même regardez, vérifiez bien ce qu'il faut, ce que vous mettez en place. Lisez bien les petits caractères ou les clauses ou l'assurance, quelque chose dans ce genre-là. Et l'attitude ici, ou le conseil que les cartes vous donnent, hein, c'est que focalisez-vous justement sur ce qui vous permet d'aller beaucoup, beaucoup plus haut et toujours plus loin dans votre relation, hein, soit la stabilité, la sécurité, l'élévation, soit que vous, peut-être vous travaillez ensemble avec votre conjoint, ou votre compte progresse constamment, ou les chiffres d'affaires remontent. Donc, concentrez-vous ici sur les choses qui vous font aller toujours de l'avant avec votre compagnon, des choses qui vous font évoluer, des choses qui vous mettent sur ce niveau-là, dans cette sécurité financière-là, tout simplement, ou même dans votre vie de couple. Hein. Regardez, focalisez-vous sur ce qui est bon pour vous, au lieu de regarder soit en arrière, soit alors de vous dire, il y a peut-être quelqu'un dans les parages ou quelque chose cloche. Ou quand est-ce que ça va s'arrêter, tout ça, c'est trop beau pour être vrai. Donc, il y a cette notion-là ici. Mais le résultat aussi, ici, nous avons le choix. Bon, il faudra un moment faire un choix. Soit vous êtes en pleine hésitation, vous êtes en plein doute. Il y a un doute qui va venir s'initier dans votre couple. Bien, on va voir ce que c'est. C'est quoi le doute? Il y a un imprévu qui va arriver. Hein. Il y a un imprévu qui va arriver ici. Il y a un imprévu, des doutes. Vous avez douté certainement de certaines choses, comme je disais, l'illusion, la coupe, ce que la coupe nous a montré, l'illusion, ou sortir d'un rêve, ou découvrir quelque chose. Donc, vous allez devoir faire un choix ici, soit par rapport à vos finances, vous allez découvrir des chiffres que vous n'aurez pas, que vous pensez ici que les choses allaient bien dans votre famille, ou que vous avez mis en place un certain... des ressources financières, et que c'était complètement commun, et vous allez vous rendre compte certainement que votre conjoint, ou que l'argent n'est plus à sa place, ou vous allez découvrir quelque chose qui a commencé depuis peu, ou vous allez juste surprendre une conversation avec une autre personne, et que... Mais il y a un truc là que vous allez tomber de haut, ça c'est clair. C'est pas forcément une infidélité, mais ça a quelque chose à voir avec votre... Ça a quelque chose à voir avec les finances, hein. Et c'est possible aussi que ça a quelque chose à voir avec une infidélité, mais je ne dirais pas ça. Je pense, je vois plus finances ici. Ça a plus à voir avec vos finances. On va regarder pour l'amour. L'amour pour vous, les balances. L'amour, c'est si vous êtes dans un trio, si vous êtes dans une relation où vous êtes 10 des noms et vous ne savez pas quelle est votre place, si vous avez un ex qui revient, si vous avez rencontré cet homme et vous ne savez pas, est-ce le bon? Mais déjà, il y a du renouveau. Hein. Déjà, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous apporte, qu'est-ce qui vous promet. C'est pas forcément pour le couple, ça peut aussi être pour le couple, hein, mais c'est plus général. Alors ici on a l'élévation et derrière on a l'amour. Donc il y a des choses qui vont aller, donc certainement vous allez pouvoir officialiser votre amour ici, hein. Il y a le changement positif. Donc, officialiser votre amour, pas dans le sens de vous marier, hein. C'est possible aussi. Mais je dirais plus officialiser votre amour dans le sens, ok, maintenant vous dites aux autres que vous êtes en couple. Vous pouvez dire à l'autre, l'autre va vous dire, ok, maintenant on peut dire que nous sommes en couple. Qu'on ne se fréquente plus juste, on peut dire que nous sommes un vrai couple. Il y a cette notion-là ici, hein, parce qu'on a deux cœurs. Hein. Il y a des personnes qui sont ensemble ici avec, on a le consultant qui est sorti. Bon, ici on a des personnes qui sont bien, qui sont en couple, hein, que ça va bien, vous êtes en couple. En couple peut être que chacun chez soi, hein, que chacun vit sa vie, chacun fait ses choses, mais vous savez que quand l'autre a besoin de vous, que vous avez besoin de l'autre, vous pouvez compter sur elle. Donc, c'est vraiment une relation de... Mais chacun chez soi, c'est plus ce que je ressens ici. Bon, c'est possible que vous soyez ensemble, mais il y a plus cette notion de chacun chez soi ici, mais vous êtes un couple.
Et ce qui va venir contraindre tout ça, qui s'oppose à tout, c'est à ce bonheur dans lequel vous vous trouvez actuellement, c'est cet incident qui va arriver. Il y a quelque chose qui va d'un ordre pas forcément positif pour vous, hein, mais qui va arriver et qui va mettre tout ce bonheur à mal. Soit vous allez découvrir quelque chose, ou alors c'est tout simplement cette personne qui va vous dire bah, tu sais, c'est pas. Je suis pas prêt, ou j'ai pas envie de m'engager tout de suite dans quelque chose comme ça qui vous tombe dessus et que vous l'avez pas vu venir alors que tout allait bien. Donc il y a ça, il y a quelque chose qui va venir vous tomber dessus comme ça, comme qui va vous permettre de qui va remettre tout en question, hein. Vous tomber dessus, ça peut être justement cette annonce-là, ou alors ça peut aussi être un coup de foudre amoureux, quelqu'un d'autre, et que tout remet en question. On va recouvrir une fois pour être sûr. Il y a quelque chose que vous allez voir, quelqu'un va venir vous perturber ici, hein. Parce que c'est ça, hein. Il y a quelque chose qui se vient brusquement et qui va perturber la relation. Soit, comme je dis, soit c'est quelqu'un qui vient et qui perturbe tout ça que vous avez en cette certitude que vous avez en vous, que c'est oui, c'est lui, c'est elle, et qui va venir perturber tout ça et mettre beaucoup de retard dans ce que vous avez mis en place, hein, et qui va vous faire, vous allez vous dire, ben non, je ne suis pas prête, attends, remettons, attends, pas maintenant, et si on s'étudie encore un peu, et si chacun restait un peu encore chez soi, le temps de mettre les choses en place, parce qu'on a des personnes ici qui sont psychologiquement ça. Qui sont en pleine dualité. Hein. Donc, je pense qu'ici, on a aussi une notion de choix qu'il faudra faire en amont. Hein. Donc, ici, on a le consultant ou la consultante. Hein. On vous dit ce sur quoi il faudra vous concentrer, c'est ce que vous ressentez, quels sont vos ressentis. Parce que juste là, parce que le résultat, vous êtes troublé. Hein. Vous êtes en pleine dualité avec vous-même. L'ennemi, ce n'est pas extérieur. L'ennemi, c'est vous. Et c'est juste au-dessus de votre tête. Donc, vous êtes ici, il y a un challenge qui se joue dans votre tête. Là, il y a une sorte de combat de boxe entre vous et vous-même. Hein. Vous êtes complètement embrouillé ici. Je ne sais pas quel homme est venu ici à débarquer ou quelle femme. Et vous a tout chamboulé et a tout mis vos projets à mal. Ou vous avez redécouvert quelque chose que vous n'avez pas vécu avec l'autre. Ou c'est un ex qui est revenu aussi. C'est possible aussi. Mais cette histoire, ça donne l'envie d'en savoir plus. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est revenu. Il y a un ex qui est revenu. Soit il y a un ex qui est revenu, soit c'est un coup de foudre et ça vous est tombé dessus. Mais vous seul pouvez sortir de cette situation. Donc c'est à vous de choisir justement. C'est peut-être la destinée qui sait. Mais la clé aussi, ça veut dire que vous avez la clé et la porte où vous connaissez ou la porte. Donc c'est à vous d'ouvrir et de sortir de cette situation-là. Donc ici, il va falloir faire un choix. Hein. Soit trancher, passer à autre chose ici. L'attitude à adopter ou le conseil des cartes, on vous dit, bon, tu ne peux pas rester comme ça longtemps, il va falloir que tu tranches ici, tu passes à autre chose, soit tu donnes la chance à l'autre personne, mais tu ne peux pas garder les deux parce que non seulement toi, ça te rend malade ici, et ça te stresse et ça te peut aussi perdre ton temps et tu perds le temps aux autres aussi. Et le résultat, c'est ça. On a des personnes qui sont complètement enfoncées ici, qui ne savent pas où trop où elles en sont, ou encore moins avec qui aller, qui est le bon, qui n'est pas le bon. On te dit tout ne dépend que de toi. Fais les choix justes pour toi. Qu'est-ce que l'autre t'apporte et que l'autre n'apporte pas? Tu ne peux pas garder les deux. C'est ce qu'on veut te faire comprendre ici. Donc fais tout pour mettre la paix dans ton cœur et dans ta tête. Hein. Parce que tu as des personnes ici qui vont finir par devenir fous ou folles. C'est ce qu'on vous dit à vous les balances. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner. C'est complètement gratuit. Je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.